Bonsoir à tous. Dans l'actualité en Normandie, un immeuble soufflé est dans le centre-ville de Nonancourt dans l'Eure. Plusieurs personnes ont été blessées dans cette forte explosion en tout début d'après-midi. Les secours sont intervenus pendant plusieurs heures avant de découvrir une sixième victime qui serait toujours ensevelie sous les décombres. Nous retrouverons à Nonancourt dans un instant Grégory Tellu. Mais tout de suite, on revient donc sur cette forte explosion dans le centre de Nonancourt, petite ville de l'Eure, située entre Dreux et Évreux. Une fuite de gaz serait donc à l'origine de cette violente déflagration. Il y aurait 6 blessés, 5 adultes et un enfant en bas âge. Grégory Tellu avec Jean-Luc Drouin. Un enchevêtrement de gravats. Voilà ce qu'il reste de cet immeuble situé rue Victor Hugo, en plein cœur de Nonancourt. Il était aux alentours de 13h15 quand cet automobiliste qui circulait à proximité du bâtiment a été surpris par une violente explosion. Je pensais que c'était ma roue qui avait éclaté ou un truc comme ça, mais après j'ai tout de suite vu. En fait, j'ai fait le rapprochement. Et voilà, ça courait de partout, il y avait des gens, ça sortait du salon de coiffure. Il y en a qui étaient par terre, donc j'ai été, je l'ai relevé. Et puis voilà quoi. Vous avez senti une odeur de gaz en arrivant? Ouais, ça sentait fort, ouais. Un vieil immeuble d'un étage composé de 7 logements, 5 appartements et 2 studios. Selon nos informations, seulement 6 personnes occupaient le bâtiment à l'année. Rapidement arrivés sur les lieux, les secours prennent en charge les premières victimes. Le bilan actualisé donc, fait état de 5 blessés, 4 blessés légers, 1 blessé plus grave, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé, et une personne qui est toujours ensevelie, qui a été localisée. Les secours sont actuellement en train de la dégager. Était consciente? Nous ne pouvons pas confirmer effectivement à l'heure où on vous parle si elle est consciente. Un contact verbal a été établi avec cet habitant du rez-de-chaussée. Et pour le secourir sans risque, le dégagement se fera à main nue. L'effondrement du bâtiment a nécessité l'intervention d'une quarantaine de pompiers et de 3 chiens de recherche. La levée de doute sera absolument terminée lorsqu'on aura, visualisé tous les endroits possibles de survie possible d'une personne dans la zone d'effondrement. En clair, lorsque toute la zone sera dégagée. L'opération devrait durer encore plusieurs heures pour s'assurer qu'aucune victime ne se trouve dans les décombres. Un périmètre d'une cinquantaine de mètres a été établi autour de l'immeuble. Alors Grégory Tellu est en direct avec nous de Nonancourt. Depuis le tournage de ce reportage, Grégory, avez-vous d'autres informations, notamment concernant le bilan? Oui, alors le bilan vient d'évoluer puisqu'on a appris le décès de la personne qui était sous les décombres. Elle vient d'être extraite par les secours sans vie. Il s'agirait d'un habitant du rez-de-chaussée, une personne âgée. Et on dénombre aussi 5 blessés, 4 jeunes adultes et un enfant en bas âge. Mais pour eux, le pronostic vital n'est pas engagé. Concernant l'origine de la fuite, il pourrait s'agir d'une fuite de gaz puisque vous avez entendu dans le reportage témoin parler d'une forte odeur lorsqu'il est arrivé sur les lieux, mais les autorités se refusent à confirmer une telle hypothèse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les habitants se sont plaints ces derniers jours justement d'une forte odeur de gaz et qu'une intervention aurait été réalisée hier matin sans pour autant que l'on détecte l'origine de la fuite. Alors les pompiers ici là sont toujours derrière moi et vous imaginez l'émoi qu'il y a dans ce village d'à peine 2500 habitants. Merci beaucoup Grégory. On vous retrouve à la fin de ce journal pour suivre l'évolution de cette information. Et avant de refermer ce journal, on retourne à Nonancourt où s'est produite une violente explosion au début d'après-midi. Grégory Tellu, le bilan a évolué ce soir avec une personne désormais décédée. Oui, le nouveau bilan fait donc état d'un mort, un habitant du rez-de-chaussée qui se trouvait sous les décombres. Et puis on dénombre également 5 blessés, 4 jeunes adultes et un enfant en bas âge. Mais pour eux, le pronostic vital n'est pas engagé. Et concernant l'origine du sinistre, il pourrait s'agir d'une fuite de gaz. Mais les autorités se refusent pour l'instant à confirmer une telle hypothèse. Alors vous le voyez derrière moi, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour s'assurer qu'aucune autre victime ne se trouve actuellement sous les décombres. Et l'opération pourrait encore prendre plusieurs heures.